En fait, pour nous, le marché des objets connectés, il n'existe pas, puisque tout va être connecté. Donc en fait, c'est pour ça que les milliards, alors on donne le chiffre hein, de 50 milliards à 2050, mais finalement, ce qui est important, c'est de se dire, ça va croître fortement. Nous, on a 23 familles aujourd'hui de produits connectés. On imagine d'ici 2020, les doubler, en avoir une quarantaine. On fait déjà 300 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des objets connectés, donc c'est une réalité, hein, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est, ce qui est important, c'est de se dire que ce marché, il va croître très très fortement, et nous, on établit une croissance de 10%, une croissance à deux chiffres par an. C'est une relation qui s'établit avec l'utilisateur. Il faut penser utilisateur au centre de tout, il ne faut pas raisonner industrie, il faut raisonner expérience client. Donc on écoute beaucoup nos utilisateurs, on les écoute avec des moyens physiques, nos innovales en région, nos forces commerciales, nos partenaires de la distribution, nos nouveaux partenaires que sont La Poste par exemple, Google, Samsung, voilà, avec tous ces gens-là, on écoute et on apprend énormément de choses. Et évidemment, nos clients, ils utilisent des produits connectés, donc on peut aussi, au travers de la donnée, mieux comprendre comment ils utilisent nos produits. Pendant beaucoup d'années, les gens ont espéré qu'il allait avoir un langage unique, que tous les produits allaient parler la même langue, le fameux espéranto des objets. Ça, on est sûr que ça n'arrivera pas. En fait, chaque objet, il parle une langue propre parce que il va mieux fonctionner dans ce langage-là. Ce qui est important, c'est bien de distinguer trois niveaux de langage. Il y a le langage de terrain, et là, on va utiliser des langages ouverts. On a notre propre langage sur lequel on peut faire des développements. Après, il y a le langage sur la couche IP qui va nous permettre de parler au-delà du bâtiment, avec les gens de la high-tech, avec LG, par exemple, Samsung, Sony. On va utiliser des métalangages comme AllJoin. Et enfin, il y a le langage commun à tous, via le cloud, en cloud to cloud, et là on va poser nos données dans un cloud et au travers de notre API Elliott, parler avec tous les gens, c'est ce qu'on fait avec notamment La Poste. Honnêtement, on ne sait pas ce qui arrivera dans 5 ans, ce qu'il faut mettre en place, c'est des outils pour au jour le jour s'adapter aux nouveaux usages, aux nouvelles évolutions technologiques et proposer aussi. Ce qui est important, c'est de faire et de faire évoluer. On est bien dans une méthode agile, dans une évolution permanente. Et ça, les outils digitaux nous permettent des choses qu'on ne pouvait pas faire qu'en physique.